Dans ton lit, madame. C'est tellement bizarre. Ok, donc on vient juste de se réveiller. Hier, c'était la grande journée où je suis arrivée à Banff. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez la voir. C'est ma dernière vidéo. Chloé, comment tu t'es sentie à propos de ça? Écoute, je m'en attendais vraiment pas. En plus, tu sais, genre, on était supposé de s'appeler hier soir. Fait que moi, j'attendais son appel, tu sais. Puis comme, elle me dit, je vais t'appeler tard. Fait que là, je regarde, puis je suis comme, Chris, il est minuit, là-bas, il est 2h, on m'a pas encore appelé, ok. Je sors dehors après mon pipi, je vois juste sa tête qui sort. Je suis comme, ça, c'est Pascal. Mais comme, crie la crise de folle qui prend un billet pour venir, genre. Mais, en plus, c'était tellement compliqué pour ceux qui savent. C'était l'horreur, merci. Mais là, on est là. Ce matin, le plan. Aller au Murrin Lake. Aller au Murrin Lake, j'ai tellement hâte. Faire du café, vraiment première option. Première mission. Bonjour, bon matin. Tu vas montrer ton petit toutou. Ceci, c'est. Ok, c'est un cochon. C'est quoi? Ok, dégueulasse. Alors, comment on fait le café? Comment on fait le café? Et là, on a volé cette machine-là. C'est du café qu'on a trouvé dans une chambre. Gratuit. En fait, tout ce qu'on trouve ici, c'est gratuit. Ça, on trouve ça dans des chambres. J'aime ça. Regardez bien. En fait, toutes nos épiceries dans des chambres. Fait que, tu sais, pas besoin de payer grand-chose. Ok, donc pour mise en contexte, les filles travaillent à un hôtel à Banff, nettoient des chambres. Puis ça, c'est la chambre d'employé. Fait que les deux, on a dormi dans le bunk bed. Simple. J'ai compté les barreaux, tu sais, je l'ai dit. Toute la nuit. T'avais 10 barreaux, j'en avais 4. Wow. C'est vraiment fun parce que je retrouve du linge à moi que ça fait genre 6 mois que je cherche. Un an, c'est la Guadeloupe, la dernière fois. Ah, c'est fou. Merci Chloé. Ok. Oh. On va manger des pancakes. J'ai trop hâte de voir dehors. Oui. Je comprends. C'est trop beau la première fois, je t'ai dit. Yum 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 yum. Oh, it works. Mm. Okay. Mm. Ok, donc là on est prêt à aller hike. Ça c'est mon petit fit. En fait, on va pas hike, on va au Murrin Lake. On sait pas s'il y a un hike. Non, en mode promenade, on expérimente, on observe les lieux. Donc toi, très cute en fit. Noé, très cute en fit. Mais on s'entend que celui-là, c'est vraiment le plus bon. Ben en fait, c'est vraiment trop cute pour un hike, mais c'est ce que je pensais que j'avais amené des shorts de jeans, mais en fait, c'est une jupe fucking court de jeans, genre cowboy moment. Je vais mettre ta jupe. Okay. Là, on part pour le Murrin Lake. Yeah. Et là, on s'en va en bus. Ça, mais dans le fond, c'est ça. On a comme un petit shuttle avec le staff à com que tu peux prendre pour te diriger en ville. Ok. Fait qu'on fait ça. J'ai hâte, c'est déjà tellement fucking beau, je vous montre. Puis il fait tellement beau. Ouais. C'est bien. C'est trop, trop cute. Ok, c'est ça notre petit château. Are you ready? We are. J'ai tellement hâte de voir. Oh my god, je me suis mise sur le bord de la fenêtre. Cette fois-ci, j'ai un hublot pour ceux qui ont la ref. La mer. C'est chaud, frère. Oui. Oui, mais c'est. Mais là, on est à genre. On est à 8 bancs. Mais c'est parce que des fois, il fait juste non, mais c'est. Oui. Oh, 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 oh. Fait que là, on s'en va prendre un deuxième bus. Chloé, tu me confirmes? Oui, je te confirme. Est-ce que c'est mes lunettes? Non, mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils font sur ma tête? Fait que là, c'est quoi le plan? On fait l'Achoise et Murrin Lake. C'est deux aujourd'hui. Deux beaux lacs. I love it. Ça a coûté 25$? 25$, c'est sûr. On mangera pas ce soir. Chloé, elle a des discounts, là. Elle a beau 69 de discount. Fait que dans le fond, elle a pas accepté. Mais quand on est sur mais ça marchait avant, c'est juste. Ça marchait avant, c'est juste avec elle. Ouais. Tu ne pas. Mais non, c'est ça. J'ai vomi, je l'ai jeté. Parce que. Non, en fait, je l'ai mis dans la poubelle et j'ai vomi dessus. Ah, je suis contente. Donc, je suis contente. Ça m'arrive. Le vin, ça fait si. Take a little coffee. Oh, ton anglais, ça est tellement bon. I know, I'm better now. So we go take a little coffee, so in good earth. Coffee. In what? Good earth for the tear. Oh. Earth. So it's bitter coffee in Banff, selon me. So, oh, good earth. Okay, selon you. Selon me. Okay, let's go. Let's go. It's comme ça. Tu veux-tu faire le commentaire sur la malade?
Elle travaille là? Cette fille-là, je l'ai croisée dans un bar, ok? Cette soirée-là, j'étais en mode baggy pants, c'est bien. Ça, je dansais, puis là, elle vient voir, puis comme, hey! In English, for sure? Yeah. Are you, je sais pas comment dire. Lesbian? Lesbian. And I'm very drunk. Pourquoi je parle anglais, là? Puis j'étais seule, puis j'étais comme, ah, no! Voilà, c'est en fait, il y avait pas de punch, il y avait juste ça. Mais depuis ce temps-là, quand j'arrive ici, puis quand mon café, je suis comme, I like boys. J'aimerais prendre un café, s'il te plaît. Un café avec ta saveur préférée. On attend en ligne pour le bus. On avait des amis qui ont attendu pour nous, alors on n'a pas fait de la file! Love it! C'est vraiment une bonne filmatrice. Ok, we made it to the bus. J'avais tellement peur qu'il n'y avait pas assez de place. Il y avait tellement de monde. Ça continue à rentrer. On était quasiment les premiers. Mais c'est parce qu'il y avait une ligne de gens qui avaient réservé d'avance. C'est vrai. Puis nous après. Ça aurait pu. Mais je pense pas qu'on retourne le monde parce que d'habitude, c'est plein à craquer. Ouais. En tout cas, on souhaite. On est lucky aujourd'hui. On est lucky. Puis là, on a comme une heure. Est-ce que c'est une heure de bus? On a comme 45 minutes, je crois. 45 minutes. Ok, let's go. Let's go, 4-4. Ok, donc on est arrivé à Black Louise. En fait, on est dans le parking. On est pas supposé le bus. Avant, on a eu une petite toilette emergency parce que tu sais, le fait que les filles trouvent toute leur bouffe dans la chambre du client, c'est gratuit. Ils appellent plus. Je pense que ça joue vraiment sur nos intestins. C'était violent. On était dans le bus. Puis on était prêtes à pousser tout le monde. Ah oui. C'était une caca urgency. Caca urgency. Bien dit. Fait que là, on va prendre une petite marche, puis on devrait se rendre au lac. Écoute. Est-ce que c'est aussi beau que sur Instagram et Pinterest? Pinterest? I don't know. We'll see. Il y a tellement fucking beau. Puis là, on va aller faire du canot. Ça va être possible. Mais c'est le plan. Ok, donc là, on va essayer d'aller dans la file pour le canot, mais c'est quand même assez long, quand même assez intense. On va l'essayer. Ok, update. Finalement, la ligne était de 1h30, mais le bus pour aller au Marin Lake, où on va aller, c'est dans 1h, alors on n'a même pas le temps. Et en plus, ça a l'air qu'il y aura des orages pendant qu'on aurait pris le canot. Puis on gâcherait, genre, c'est pas remboursable, rien. Fait qu'on perdrait juste du temps là-dedans. Fait que dans le fond, je pense qu'on veut faire Marin Lake, puis peut-être potentiellement revenir ici puis refaire le canot. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. On verra. On vous tient au courant, mais là, on a faim. On veut essayer de trouver un petit peu de bouffe. Okay, là, on est infiltré dans un hôtel parce qu'on cherche un cocktail bar. We made it! It's so cute! C'est tellement beau! Wow! Vous devez arrêter. Ils ont trouvé des frites sur un autre table. C'est gratuit. Chloé! Après ça, t'es comme, pourquoi je pogne la diarrhée, ma belle? Ok, moi j'avais des eggplant tacos. Ça vient en DIY. C'est vraiment intéressant. DIY. Les filles ont pris des nachos. Est-ce que c'est bon? Yeah. So good. J'ai pas encore goûté. Je goûte. Et les drinks sont vraiment cute. J'adore. Ma belle, on va arriver. Je t'en fais-tu? Ça n'a aucun sens comment c'est bleu, genre c'est bleu Gatorade. Là. J'ai jamais vu ça. Oh my god, ça va être beau! Wow! On va y monter. Chloé veut qu'on aille monter ça, mais en escalade. Mais genre, je sais pas si sur caméra ça paraît comment c'est gros. Mais comme, c'est énorme. Mais ça serait la meilleure vie. Oh Lord have mercy. Ok, c'est des marches en fait. C'est moins pire que je pensais, mais c'est quand même magique. Il va falloir qu'on aille au top. Ok, on sort le cardio. Guys, on vient juste d'arriver. Il y avait beaucoup de monde qui nous disait que c'était plus beau que le lac Louise. Et je confirme, genre l'eau, elle est bleue, ça se peut pas. Genre vraiment pas besoin de filtre là. C'est tellement freaking beau. Magnifique. On a décidé qu'on allait essayer d'aller se baigner. Ok, go! Go! Real kidakers, hein? Vas-y! You're crazy. Ok, on saute ou? Oh my fucking god!
Ok, donc on s'en va. C'était tellement fun. C'est tellement beau. Je préfère vraiment le lac Moraine que... Moraine? Que le lac Louise. Il y a vraiment moins de monde. Il y a comme des petites flashs pour se baigner si vous êtes game. La file pour les canaux, elle est mille fois moins longue. Il y a un petit squirrel. Fait que bref, là, on s'en retourne en bus. On a quand même une bonne ride à faire. Oui, une bonne ride. Puis après, on va se préparer pour aller au resto. Donc, let's go! On est revenu. Yo, je suis tellement dead. On a tout pogné un énorme coup de fatigue. Mais on a quand même fait fucking de route. Ben oui, fucking de marche. On mérite d'être fatigué. On mérite une petite sieste. Mais moi, faut que j'aille dans la douche. Et oh my god, faut que je monte la douche. Dans la douche? Comme ils sont arrivés, c'est de même pour leur défense. Mais le pommeau, il y a fucking de moisissure. C'est fucking dégueulasse! Mais bon, j'ai pas envie de puer. Fait que je vais y aller. Not a slay. Ok, donc là, on est prête à sortir. Chloé, elle a mis sa petite robe. Ma petite robe brune, j'aime trop ma. Mais aussi, elle est prête. Alors là, on s'en va à un restaurant de pâtes. Attends, je m'excuse. Quoi? Filme ça. Filme juste le fait. Oh. Que j'ai jamais vu ça. Une chambre aussi en bas. Ça avait pas marché. Well, it happens. Là, on s'en va au Lipo. C'est une des... Lipo, mais si tu veux aller au Lipo, on se rejoindra plus tard. Alors, écoutez, là, on s'en va au Lipo. Donc, on s'en va au Lipo. Puis dans le fond, c'est un des meilleurs endroits pour manger des pâtes. Et nous, on est un peu comme des fans de pâtes. On n'en mange pas assez, mais puis nous, on peut voir ici, là-dedans. Vraiment, il reste des restes de sauce à spag. C'est bon et pas cher. Donc, pâtes au pesto, on connaît toutes les sortes de pesto ici, maintenant. Fait que c'est ça. Fait que là, on s'en va manger au Lupo. Yeah. Puis ben, c'est resté super, super bon. Okay, let's go! I can't wait! C'est tellement beau, je vais jamais revenir. Moi, je suis trop triste de rester juste deux jours complets et deux demi-journées. So sad. Mais tu pourrais rester plus longtemps. Tu vas travailler, il va faire non, quoi? Non, mais tu pourrais venir m'aider à faire les chambres. Oh my god, ça me tente tellement. Mais... Ok, parce qu'on joue un jeu. Quoi? Tu restes une semaine de plus. On dort quatre dans la même chambre. Oui! On dort quatre dans la même chambre, comme ça nous ensemble, elle avec son chum. Puis, ça fait du fun! C'est tellement un bon jeu! J'adore ce jeu! Okay. Donc, Chloé, en tant que housekeeper, voulais vous partager ses pires expériences que tu as vécues également. Oui. Donc, nous, en fait, on a comme un nouveau mode de vie ici, c'est de trouver et d'amener tout ce qu'on trouve, en fait. Mm-hmm. Ça se dit pas trop. Tout ce qui est gratuit, on le prend, on l'amène dans notre chambre. Mm-hmm. Et là, on a trouvé du cuisson dans le maison, on l'a pas pris. Oh mon Dieu, c'est mon best friend qui s'en vient, gang. Non, non, faut qu'on filme. Oh god! Oh, finally! Oh! You're running your life! Yeah! I was like, what the fuck? I didn't realize the time! Après l'interruption, t'as retrouvé du crisson mètre. Crisson mètre dans une chambre. Donc, que ça, on l'a pas gardé. Non, on l'a pas vendu, on a juste décidé de. On l'a crissé dans les vidanges. Sinon, on trouve beaucoup de merde. On réalise que le monde à BEM, ça s'est pas chié. Je comprends. C'est surtout comme plein de monde comme Zoé qui chie en cascade constamment. Donc, on a trouvé beaucoup toi? De choses. Mais que là, on a trouvé une morve collée dans le lavabo et la morve, j'en suivais. Non. J'étais en train de veille. J'étais de même dans le En plus, oui, elle était dans le veille. Alors, moi, je faisais les lits, j'entendais. Un condom usé aussi. Ouais, un condom. Mais ça, c'est un condom, mais c'est. Ouais. C'est bon, on s'y en attendait, tu sais. Mais vraiment, quand j'ai cuvé la crotte de nez, je vous fais ma démonstration. Okay? J'arrive là avec ma débarbouillette, puis je viens pour nettoyer, puis je suis juste. Puis là, c'était comme. On prend. Ça va arrêter. On est arrivé, c'est tellement cute, là. Oui, c'est vraiment mignon. J'aime ça. Let's go! Oh my god, j'ai tellement faim, ça donne faim. Il paraît que les pâtes à la vodka, c'est bon, Marie. C'est vrai, le chauffeur nous a dit ça. Dan, on fait confiance à Dan, disons. Hey guys, on vient d'arriver au resto et puis on ne voit pas Lex à Chloé avec une nouvelle style. Ben, je vais très bien. Ça, c'est nos faces right now. We're sure. Non, mais on fait la face qu'on a fait quand on l'a vu. Bien, allez-y. Mais autre que ça, le resto. Fucking cute, on est comme dans une petite mezzanine, genre presque tout seul, j'adore. Et là, on va regarder le menu. Cheers! Cheers! Ça, c'est le drink des filles. Et Chloé est comme, oh my god, on va se prendre un esti gros shaft. Puis je suis comme, pardon? C'est un esti gros shaft.
C'est un café alcoolisé dans le fond. Le drink de Mab. C'est ça, c'est ça, un shaft, genre. Ça s'appelle de même. C'est trendy. C'est trendy. Il y en a partout ici. Ici, il y a plein de shafts. J'ai pris un. J'aime les shafts. Un margarita, genre. Que c'est gros. Coco, pis des. Passion fruit, mais comme ça fait ça. Mais tu passes par plusieurs phases. Oui, tout au long de la gorgée. Chaque phase, c'est une meilleure expérience. C'est intense. Mais non, non, Chloé, c'est ça qu'elle a. Oui. Sauf après avoir vu son effort. Et dans ce cachet, elle a l'air tellement bonne. Genre, on voit les croutons de sel dessus. Moi, c'est ça que je recherche dans un grand crise de pain moelleux de même. Oh my god, on a reçu nos plats. Ça va être tellement bon. Je crave les pâtes. Let's eat! Mais... On s'en va au Irish Pub. Ça a l'air que c'est la soirée Irish. Thank you. Petit gars. J'espère que l'autre est plus en bas. Non, il est bien. On va peut-être l'inviter. Oh mon dieu, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci, baby. Fit check de tout le monde. Vibe check, tout le monde vibe. Mais non, mais je vais juste. Il y a toujours des chars. Est-ce que tu vas prendre un char, tu penses pas? Je sais pas. C'est un OG en plus. Avec les lunettes gratuites que je me suis trouvées ce soir. C'était comment ta soirée? En vrai, j'ai vraiment mis le feu sur la piste de danse. J'ai juste hâte de voir comme demain matin comment je vais me sentir. Est-ce que je vais craquer? On ne sait pas, mais pourtant, le monde était enflammé. Ouais. Peut-être que tu vas demander des adieux à Noé. Oh. Il n'en reste plus, on les a finis ce matin. Noé a dormi là. On m'a fait démonstration. Non, on m'a fait démonstration. Aussi. Ok, démon. T'es prête? Ouais. Et moi je dors comme ça parce que Pascal prend toute la place. Je comprends. Puis là je me mets genre vraiment sur le bord parce que j'entends No prendre des Tylenol. Et toi t'es dans la même brosse. Je suis comme ça. Je suis un peu hangover. Fait que là, j'entends le pot de pilule. Fais le bruit de la pot de pilule, Noni. Il est là, attends. Oh. Elle prend le même. Je suis là. Et là moi je fais. Moi au début je pensais qu'il y avait une tape. Fait que j'ai fait ça comme ça. Là après j'ai fait. J'ai fait ah. Oh. Et là j'ai pris les petits Tylenol et j'ai déposé. Pour toi, ma belle! Oh, oh non! On s'en restait plus pour vous! Good morning, everyone! Je pense que je raquais de la danse hier, mais for real, genre, c'est vraiment gênant. Tu sais, quand t'es une bonne femme sportive, là. C'est vraiment gênant. Toi, comment tu te sens ce matin? Je me sens bien. Vraiment, on va aller au lac Minnewanka. Johnson Lake et on termine par les gondoles pour voir le coucher de soleil. Wouh! Et après on voit un truc de cascade. Cascade Pond, true! J'ai oublié celle-là. Fait que voilà. Ça va être fun! Ça va être fun! Mais on commence avec un grand crise de café. Un hostie de gros café! Tu sais quand tu te réveilles le matin pis genre tes yeux ils pleurent tout seul. Oh, mais j'ai vraiment une solution. Changer des larmes. Non, non. Peut-être tu peux mettre du beer spray dans les yeux. Ça l'aide, je te dis. Genre hier, il amène vraiment ça. Au lac, on était comme, oh, ok, c'est le fun. Ouais, mais on sait jamais. Bon, là, on s'en va déjeuner. On va se faire des petits toasts à l'avocat, du café. Après ça, c'est où la première place qu'on va? On va au Minnewanka Lake. Minnewanka Lake. Minnewanka Lake.
Voici l'outfit à Chloé. Super cute. Fait que là, ben tiens, je... ben, regardez ça. Avec mes Crocs. Love that! Bon appétit! On rejoint nous qui viennent de finir de travailler. Ben, en fait, ça pose. T'as trouvé quoi aujourd'hui? Allez, fais des petits. Yeah! Deux sacs de chips. Yeah! Oh mon dieu! Wow! Des petites canettes. Ça, c'est la Budweiser! Tabarnak! T'as-tu trouvé des bonnes affaires dans les chambres? Malade. C'est malade. C'est deux. Hey! On s'en va au lac Minnewanka. Et ensuite au Johnson Lake, et après au Gondola, et ensuite au Cascade Falls. Mais c'est quoi qu'il y a au Minnewanka Lake? C'est juste une super belle vue. Oh, on va commencer à bronzer. On va se faire bronzer. Let's go! Yay. Fait que là, le bus est dans 24 minutes, fait qu'on va aller un petit peu magasiner rapido presto. Ça, c'est vraiment voir si c'est dans 24 minutes, parce que là, c'est moi qui gère le transit, puis je suis... Moi, les bus, là, c'est pas ma... Je suis pas bonne. C'est pas ta force, je comprends. Non, vraiment pas. On va voir! OK, premier magasin. Oh, OK, presto! So cute! Oh my god, c'est énorme! Mon dieu, ma soeur qui a capoté ici. Guys, c'est genre le paradis des friendship bracelets. Hein. Est-ce qu'on va finir avec le bracelet d'amitié enfin? Peut-être. Chloé qui les essaye toutes. Moi, c'est... So cute! J'ai jamais vu un autre endroit. Magasin Crystal, c'est fou. Tout ça, ça va après des colliers. C'est tellement cute. Des bagues. Oh my god, les chunky rings. Est-ce que je peux te starter? Yes, I am. Oh. Les stories sont tellement belles. Genre là, j'ai un nouveau highlight sur mon Instagram. Ok, là, ça charge pas. Mais je mets tout le temps mes voyages. Puis là, j'ai tellement belles photos de Ben. Ouais, Ben. Le changement de plan, le bus a arrêté en premier au Johnson Lake. Fait qu'on est au Johnson Lake avant le Minnewanka. Là, le plan, c'est d'aller se faire bronzer, d'aller... Ouh! On commence à voir l'eau fucking belle. Ouais, mais c'est la puis, il y a une tyrolienne aussi, que tu me dis, ici, pour se pitcher dans l'eau. Il y a plus en mode, on se tue, là, son fait, mais regarde. Je comprends. J'ai oublié mon maillot. Ah oui, c'est vrai. Elle a juste son bon maillot. Fait que tu vas te baigner en camisole? Une chance qu'elle est pas blanche, au moins. Une chance. OK, on est bientôt arrivé au spot. Ça fait un petit, genre, 10 minutes qu'on marche. Chloé fait du off-road. She's not like other girls. I'm not like other girls, Daddy. I'm not like other girls. Oh, wow. Oh! Oh my god, c'est tellement fucking beau. En plus, Chloé m'a dit que c'était genre l'eau la plus chaude à date qu'elle avait trouvée. Fait qu'on va aller tester ça. Il y a du monde qui se baigne, fait que c'est bon signe. J'ai pas mon maillot. J'étais sûre que j'avais espoir de pogner ça puis de voir mon maillot, mais... Mais non. Nous sommes arrivés. Donc là, on installe la petite couverte. On va se faire bronzer un petit peu. C'est tellement chaud! C'est vraiment chaud. Fait que c'est pour ça qu'il va falloir aller tester la température de l'eau. En fait, c'est quand même hâte d'aller baigner. Mais si on peut y aller maintenant. Let's go, bangers! Bangers! Les gars, on s'est baigné. C'était quand même assez froid. C'était vraiment froid quand même. Puis là, Chloé, on voit toutes ses boules en dessous de son chandail. Fait que on a la serviette. Ok, donc là on s'en va, on retourne en ville. Ça fait comme. Ça fait combien de temps qu'on est là? C'est parce qu'on s'est fait cramé, brûlé au soleil. On s'est endormi, puis là on est prêt pour une petite crème glacée, un peu de shopping. So... Tiens, une petite limonade, ce serait pas de refus. On remet les crocs. Oh my god, on n'avait pas d'LTE pour regarder les horaires de bus, puis là on vient juste d'arriver, comme on est comme qui on va partir. Et il passe dans. 2h31. Dans une minute. Puis le prochain, il était genre quand même 30 minutes fort. 36. Puis la limonade, elle peut comme s'attendre. Ouais, chance. C'est une crème du, c'est l'heure. C'est l'heure, j'ai vraiment hâte. Oh, sur 33. Puis. Mais là, tout le monde dépense quand on va y aller. Check, il y a des sorbets, oh my god, yeah. Alors là, t'es prêt à quoi? J'ai pris strawberries and banana et le caramel et chocolat. J'aurais tellement pas pris ça. On a vraiment pas les mêmes saveurs. Moi, j'ai pris lime et coconut. Toi, c'est comme doux. Moi, c'est violent. Oh my god, Chloé nous a amené à ce spot tellement beau pour manger de la crème glacée. C'est trop beau. Wow. Es-tu bonne, ma crème glacée? Elle est trop bonne. Ah, presque fini, moi, avec. So good. Ok, donc là, on est prête à sortir. On s'en va manger à un restaurant indien. Prise 2 de la Guadeloupe, les amis. Et Chloé a dit que c'était meilleur qu'elle porte des Indes, mais que ça donnait pas la diarrhée. Donc... On va tester on le va tester ça. Est-ce que t'es prête? Prête!
très. C'est sûr que nous, on est rendu habitués parce qu'on est rendu loyalty. Ouais, nous, on a le code promo pour avoir des discounts. On a des discounts, Pascal. Mais c'est parce que ça nous fait des leftovers. Après ça, on les mange. Oh my god. Moi, je pense que je vais tout manger. Par contre, l'Indien, là. Non, mais on prend. Non, mais parce qu'on partage les plats. Tu sais, mettons, moi, je voudrais un souvenir pour mon chum de trouver la plus belle affaire. Ben, elle avait trouvé le truc le plus... Kitsch, le plus kitten, le plus... Non, mais une tuque comme ça, par contre. Oh my god, ça pourrait faire. J'entendrais pas qu'il était venu dans l'Ouest, il m'avait ramené un orignal, un porte-clés en orignal qui fait un cœur qui te crie « crazy for you ». Fait que là, j'essaie de battre ça. Oui, ça va être difficile, ça va être dur. Mais on a trouvé le magasin le plus laid. Quand même intense. Qu'est-ce que tu veux y acheter? Trop mimes. Oui, vraiment, la gueule. Un petit crop top. Le truc, c'est tellement random, faut genre, c'est juste une pop, pas de nom, mais faut, c'est tellement bon. Faut monter ici. Et on nous connaît super bien ici, on est des habitués. Ou pas. Ah oui, le mur avec des bulles. Bon lord. Ça va-tu? Hi, finding you. On a reçu ça, qu'on n'a pas demandé, mais ça a l'air que les filles ont tout le temps de quoi de nouveau quand ils arrivent. C'est comme un petit cadeau dans la maison. C'est un petit cadeau, puis là, c'est ça. Et... c'est quand même bon. Mm-hmm. T'es pas sûr? Ben disons que la sauce présentement m'a donné un petit gag reflex, mais vraiment minuscule. Mais je vais me laisser une chance. Je vais goûter autre chose. On a reçu ça sent tellement bon. Mais les deux qui sentent aussi le riz au coconut, les pains d'Inde, j'ai pas trop. On vient de voir un ours. Fait que là, on s'en va voir. Vas-y, là. Il est tellement à côté. What the fuck? On embarque dans notre ride. Ok, Chloé en premier, puis moi j'embarque ces deux. Ok, on s'en va à un feu. Oh. Je sais pas qu'on le perde, ça. Petite mise en situation. Ah. Ouais, on compte. Parce que hier, on a pris un taxi pour venir genre de la ville, en fait. Puis, dans le fond, le taxi, ça coûte toujours 16$. Mais c'est tant moi et Noé qui paye, que parce qu'elle est pas. Non, c'est 12$. Mais nous, on paye 16$ okay. Tout le temps. Le soir. Puis là, on arrive, puis hier, c'est 12$. Puis là, la fille, on est comme, hey, on le paye vraiment tout le temps quand c'est 16, tu sais. Fait que moi et Noé, on est comme, tu sais, peut-être que tu pouvais comme le payer, mais tu sais, c'est pas méchant, juste. Et là, après, on danse la nièce, mais elle dit, oui, il faudrait que tout le monde me donne 2$ pour le taxi. Puis là, on était juste. Oh! Puis là, elle était fâchée, puis elle n'avait pas amené, fait qu'elle nous a pas parlé toute la journée. Fait que là. J'ai. Bye! Who did this? Shelby! What did you do? They were mozzarella. I took the fish dish. That was on me. Regarde, on doit des œufs pendant 20 minutes. On va dans le gazon parce qu'on n'a pas tendu. We're going to the. Let's go. Oh. Chloé a la marche facile. J'en ai vraiment rendu bonne avec un chariot. Je suis rendue la pro. La pro des chariots. La pro des chariots. Tu cours. Mais t'en veux ou non? Mais moi j'ai pris une Bud Light et un Bob Light. Une Bob Light. Ben là. Une Bob Light. Moi une Bob Light. J'ai pris une Bob Light pour un Bob Light. Une Bud Light pour tout le monde. Merci hein, de ta générosité. Moi j'ai pensé en mode. Me, myself and I. Me, myself and I. No, she only think about her. Run back. Run. No, it's run. Okay. It's okay. Run, 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 run. Run. D'arriver. Est-ce que c'est un hérisson ou un suisse? Est-ce que je suis tant aveugle? Ah oh oui, je suis tant aveugle. C'est juste un suisse très amical. Bonjour. Oh, au revoir. Ok, voici le spot secret. What the hell? C'est tellement fucking beau. Ça va être une fun soirée. C'est ici. We're making a big fire. Ça paraît. It's insulation. Just wait. Mais tantôt j'ai vu une flamme, hein, c'est éteint. Ben c'est parce qu'ils ont juste allumé le papier comme ça, comme si ça allait faire un feu. Qui a fait ça, je veux savoir. Mais moi, mon boy scout, il come out puis je vais bien le faire. Tu sais, t'es d'inscrit pour eux? Non, juste mon daron, mais j'apprends. J'apprends. Tu l'as dans le sang. J'apprends. Le voisin nous a donné une hache et on sait pas comment faire. Oh, go, go! Good! Plus fort! Okay. I'll try it, yeah. Okay. J'ai pas beaucoup de... J'ai tellement faim pour le pied! That was first attempt.
Okay. T'es sûre que tu veux t'amputer une partie en partie? I think No. You're not gonna cut the beach today. Oh. You're so good. Put it up. Oh, oh. No. Almost. Yeah. Oh, you got that? Yeah. Waiting. C'est lent taking. Yeah, it's waiting. So yeah, pour vous aider à tourner des fish sticks, ça fait tellement mal aux yeux, trop bouquin. Ils sont bons? It's fine. Oh! Oh! C'est très fit! Is it good? No! It's not tasting like very ashes. Good. But it's okay. Je les ai aussi échappés à terre, donc personne ne le sait, mais c'est peut-être aussi de la terre. Petite touche! On s'en va, il n'y a plus de feu. Il fait tellement noir, j'espère qu'on ne va pas se faire kidnapper. Bon matin! Oh, Chloé s'en va travailler. Ouais. T'es... J'ai pas envie ce matin. J'aime beaucoup ton outfit. Merci. Ah, ils ont ça qui est encore plus gros qu'avant, je sais pas comment c'est possible. Et moi, Chloé, on doit se quitter. Non! Non! C'est un départ! Bon, t'es fort. On se revoit au Québec. On s'appelle. Fais-moi. Ben, si tu veux me faire d'autres surprises, ça me dérange. Revenir chaque semaine. Et chaque semaine. Chaque coin. On va bisous. Bye. Maintenant, tu vois où je dors, que je vis dans la misère. Donc, c'est un départ pour moi. Je m'en retourne au Québec. Je vais prendre mon bus qui m'amène à Calgary parce que cette fois, j'ai pas payé 200$ de Uber. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me suivre. Et c'est ça. Qu'on se voit la semaine prochaine. Bye!